Bonjour à tous, le direct de la place du village après le col de la Colombière. Après les éboulements du côté de Pras-sur-Arly, nous sommes dans les Aravis. Un lieu bien connu, hein, j'imagine, pour vous. C'est le plateau des Confins. Et regardez, les vaches sont arrivées aux Confins, à peu près à 1500 mètres d'altitude. Elles sont là. Là, vous avez fait du ski l'hiver jusqu'au confinement. Eh bien, elles sont lâchées depuis peu d'ailleurs. Et on les voit, elles attendent la traite. Elles ont les mamelles bien pleines, en direct dans la montagne. Si vous nous rejoignez, bonjour à toutes et à tous. Ah, ça fait du bien. La montagne déconfinée aux Confins, vous voyez, sans jeu de mots ici. Il y a du monde, hein. On a pris l'ambiance, on a pris le pouls un peu de l'endroit, après-midi, ici. Il y avait du monde, donc ils marchaient en famille, hein, souvent entre amis, évidemment. L'occasion pour beaucoup des gens qu'on a pu voir, ben, de se promener, de se prélasser, et de profiter précisément du soleil. Si elle me regarde de près, je vais me reculer quand même pour éviter tout risque. Évidemment, il y a quand même un fil. Il faut faire attention aux vaches malgré tout. Voilà. Donc les Confins, on va vous le montrer. Ici les Confins, c'est le plateau des Confins, magnifique. Ah, elles sont belles. Elles sont belles à contre-jour ou pas. Elles sont magnifiques. Elles attendent la traite, j'imagine. Voilà. Allez. Les mamelles sont bien pleines. Je vérifie quand même ici, ne me trompe pas. Une abondancière, c'est que du bonheur pour elle. Oui, alors les alpages, vous avez raison, elles sont montées en alpage depuis peu, hein. Cette année il a fait chaud en avril. Ah voilà, elle cause celle-ci, bonjour. Et du coup, alors elles ont monté assez tôt, pour une bonne raison, c'est qu'il a fait beau en avril, et du coup ça, la neige a bien fondu, et on s'est bien renseigné, elle a à peu près 15 jours d'avance, à peu près, dans ce qu'on appelle ici la montée, l'emmontagnier. On a vu le col des Aravis avec les vaches qui sont arrivées depuis peu. Et on va saluer nos amis alpagistes de partout dans les montagnes. On fait un gros boulot parce que c'est un jour important à monter la montagne. Donc j'ai activé la fonction duplex, si ça vous intéresse éventuellement. Plateau des Confins ici. Alors vous voyez ici une scène, on va la montrer quand même. C'est des gens qui prennent la photo, les vaches. Vous voyez ça? Et de l'autre côté, eh ben, ces vaches, elles sont pas mal ici, et en face, la chaîne des Aravis. Là-bas, vous avez un grand plateau qui va aller juste au pied de la pointe Percée. Et juste en face ici, vous avez les sommets, les combes des Aravis. Nous sommes sur la commune de Laclusaz. Eh oui, il fait beau, dites-nous quand il fait chez vous éventuellement. Ah, c'est une belle région, alors profitez-en bien par ces vidéos avant de venir chez nous peut-être. On rappelle bien sûr que l'été, ben, la montagne, c'est où il faut être. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a de la place. Et regardez-moi ça, 4 vaches ici sur à peu près 1,5 hectare. Il n'y a pas de souci, hein, elles sont bien tranquilles. Et au fond, vous avez le sommet ici, qui est le sommet du mont Lacha. Et juste à droite, là-bas derrière, vous avez le sommet, enfin le col des ânes, où on a fait pas mal de rencontres au col des ânes, voyez-vous. Donc ça veut dire que ben, le printemps est déjà bien avancé. Il arrive tout doucement en montagne, évidemment. Des Confins, on a vu les golfeurs s'en donner à cœur joie. Il n'y a plus de neige du tout, évidemment, ici, à 1500 mètres d'altitude. On a bien compris qu'on a retrouvé quasiment une vie normale avec les règles que vous connaissez. On a vu les gens extrêmement consciencieux de cela. On les a vus souvent éloignés les uns des autres. Mais il y a de la place, comme on dit. Les vaches en direct, ici, dans la montagne. Tout à l'heure, on était au col de la Colombière avec Yohann. Vous avez vu, juste en dessous, hop, col de la Colombière. Il est ouvert depuis peu également. Les cols rouvrent de plus en plus en pays de Savoie. On bascule vers une autre saison. Bonjour de la Belgique, nous dit-on de Ramatuel. Et puis on a vu une vidéo faite par mon frère jumeau juste en dessous, là, vous allez voir, sur le mur, comme on dit. On a eu un glissement de terrain, c'est assez rare, mais ça arrive. Terrain humide, après les grosses pluies du mois de mai. Vous voyez, c'est un peu spectacle ici, les vaches. Regardez-moi ça. Hop, ça bouchonne quasiment ici, c'est vous dire. Mais ça fait du bien de se déconfiner aux Confins, Alpes du Nord, Haute-Savoie, les Aravis, Laclusaz évidemment. Et juste en face, vous avez effectivement ces pâtures magnifiques. Il fait un petit peu son parce qu'il y a un gros nuage au-dessus de nous. Est-ce comme ça que ça se passe en montagne? C'est le grand beau là-bas sur Annecy, j'imagine, hein, sur les bassins un peu plus en avant. Alors que chez nous, eh ben, tout simplement, c'est beaucoup plus nuageux. Parce qu'on explique, hein, les crêtes attirent les nuages. Et c'est vrai que c'est souvent là-haut, dans ces gros nuages, qu'on a les gros orages, évidemment. Alors pas ce soir, évidemment, il n'y en a pas ce soir. Mais quand on regarde bien, ici, il y a quand même des nuages qui accrochent les montagnes, des traces de neige encore qui créent de la fraîcheur, donc il y a eu de l'humidité, il y a donc souvent des nuages. Et puis quand le temps devient orageux en fin de journée,
Eh bien, tout simplement, on a des éclairs et coups de tonnerre. On reviendra bien sûr dès qu'on peut faire des émissions en direct dans les orages. Coucou à Féchy. Alors non, je ne roule pas en Porsche, la voiture arrêtée ici n'est pas du tout la mienne, je dis au passage. Non. C'est juste qu'il y a des gens qui viennent se promener. Ça qui est beau, c'est de montrer que bien on profite hein, pour toutes celles et ceux qui sont restés un peu dans leur coin du premier week-end déconfiné. Et ça déconfine bien. Voyons, on prend les photos ici tranquillement. Et ça se passe comme ça dans la place du village. On était tout à l'heure un peu plus loin. On est ici maintenant, on sera un peu plus loin demain encore. On continuera à vous faire vivre la montagne au jour le jour, dans nos directs, évidemment. Oui, on a plus de place, évidemment, Thierry. C'est ça aussi la différence, c'est que dans les montagnes, ou même dans les campagnes, on va dire, hein, vous connaissez les campagnes aussi, c'est vrai que le confinement et le déconfinement sont plus faciles dans les régions où il y a moins d'habitations, c'est bien. Et on a vu aussi le phénomène de diffusion du virus, c'est plutôt là où il y a en général plus de monde. Hein. On comprend la proximité hein, dans les lieux publics et également dans les rues éventuellement ici. Regardez, on a vérifié, hein, les gens n'ont pas le masque ici, puisqu'on les voit à peu près à 10 mètres l'un des autres, il n'y a pas de risque. Et puis je crois que les gens sont très sérieux, ils ont bien compris le principe maintenant, donc on va absolument faire confiance évidemment à tous et à tous. Et pour prendre le masque, quand il faut dans les magasins, on dit bien, dit que vous avez des gens en contact avec vous, c'est important de l'avoir ce masque, parce que ça rassure quand même beaucoup de monde, c'est quand même très efficace. En direct dans la place du village, bonjour de Kuala Lumpur, nous dit Marie. Eh bien, on vous envoie nos amitiés savoyardes du côté de la Malaisie, en direct dans la place du village. Il y a à peu près 18h en France, et même 18h pile poil. Et ces vaches nous accompagnent, et vous accompagnent, pour votre peut-être bonheur, qu'un effet de contre-jour, ici. Et voilà. Alors, c'est un peu humide, parce que les pâtures sont encore assez humides après la pluie, mais il fallait de l'eau, et cette eau est arrivée, et vous le savez, on a eu de la flotte, et là, dans les jours qui viennent, on va vous donner l'information météo. Ça va faire plus chaud en été, dans la montagne, j'ai lu le message de Jean-Marc au passage. Plus chaud évidemment, dans les jours qui viennent, on va atteindre, là où nous sommes, à 1500 mètres, on a à peu près 19 degrés, 18 degrés ici, hein. C'est pas très chaud, mais bon, c'est pas mal. Même, je dis 19, je suis pas sûr, on a peut-être 16-17, attention, hein, pas exagérer les choses. Vous n'avez pas le son, bizarre, j'espère qu'il y a le son, dites-le-moi si vous avez bien le son, si le son est bon, voilà. Alors qu'on entend les voitures derrière moi qui reviennent, hein. Il y a eu beaucoup de gens qui sont stationnés sur le parking final et qui sont et voilà, ben, elle n'aime pas bien les voitures qui passent d'un côté et de l'autre vous avez ici les vaches magnifiques avec ces belles cornes qui sont retournées, alors celle-ci un peu moins peut-être, en direct dans la place du village et les chalets d'alpage, on vous les montre aussi, ils sont là, avec des alpagistes, des habitants permanents, là-haut on a une chèvrerie en particulier. Le plateau des confins est très actif, on le sait, l'hiver comme l'été. Le son est bon, nous dit Sylvia. Et mon frangin n'a pas le son. Eh bien, merci de vos informations. Il va falloir que mon frangin rebranche son appareil, ou le débranche, ou le rebranche, je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse. Ou alors qu'il fasse encore autre chose. Pour y en a, le son est bon, merci pour l'information. Alors, on a vu beaucoup de fleurs jaunes, hein, c'est les fleurs de pissenlit, ici on les a vues. Il y en a beaucoup, vous voyez, en direct, avec 4 vaches seulement, un peu solitaires ici, mais tellement heureuses d'être là. Alors je pense qu'elles attendent quelque chose, hein. À mon avis, ça va être la femme d'à côté qui va les récupérer bientôt. Alors oui, il n'a pas le son mon frangin, mais pourtant on entend bien, alors voilà, le son est bon et tant mieux. Et voilà, et bien c'est calme, on en baisse la voix tellement c'est sympa. Avec les petites clochettes, évidemment. Et on va se déplacer, tiens, on va quitter les vavaches pour l'instant, un peu plus loin, vous montrer un peu d'autres paysages, on dirait dans la place du village, il est plus de 18h. Et le ciel est dégagé sur les plaines, sur les fonds de vallée, mais il est plutôt nuageux en montagne, c'est un phénomène bien connu, c'est le phénomène de nuages sur les sommets, et plus on monte, et généralement plus il y a de pluie. C'est abondant Jean-Marc, oui effectivement, des abondancières. Ici je vous montre la prairie, parce que la prairie mérite d'être vue aussi. La prairie, elle est magnifique ici, avec ici, regardez-moi ça, les fleurs de pissenlit qui jaunissent les prairies. Alors ça c'était vrai, il y a quelques semaines plus bas, là on est à 1500 mètres d'altitude, et on se déplace ben, du côté du col des ânes là-bas en face, la chaîne des Arts ravit ici, alors ce côté la chaîne des Arts, ils ne vont pas se tromper, parsemé de cailloux évidemment, hein. C'est une prairie avec des cailloux dans lesquels les marmottes font leur nid, enfin font leur nid, font leur... passent leur hiver, leur terrier de marmotte,
Et ces domaines-là vous sont sûrement chers pour le ski de fond. Il y a plein de boucles ici magnifiques. Et les vaches sont là-bas en face. Allez, on les voit. Elles sont là-bas. Elles sont juste où mon doigt. Il y a un petit peu de contre-jour, enfin, si vous voyez bien. Un petit peu de contre-jour. Et là-bas, le ciel bleu. Eh bien, écoutez, belle semaine en perspective, puisqu'il va y avoir du soleil mardi, mercredi, jeudi. À vendredi, sera un peu plus nuageux. Il y aura peut-être des orages par-ci, par-là. Mais écoutez, c'est des orages. Nous, on aime ça. Et on vous emportera dans les orages si on en voit un. On fera un direct dans les orages. Et voilà, les galopins. C'est une balade qu'on peut faire ici avec des ânes. On va saluer les galopins. Le Golet et le Danet, la Joue, sont des lieux de la région. Attention aux bouses de vaches. Alors, les bouses, elles ont une particularité, il faut le savoir, cette saison. Elles sont bien molles, parce que les vaches rentrent dans les prairies, elles sont habituées au foin, donc c'est une autre façon de digérer. Et généralement, les premières herbes vertes, ça les fait un peu, voilà, allez, comme on dit, et du coup, et ça va comme ça. Après, ça va bien sûr bien mieux. Et on va avancer un tout petit peu. Ah, Hubert, qu'on salue. La montagne en musique, en chanson, du côté du Chablais. Et on fait un coucou aussi à Émilie, qu'on a vu sur cette page. Beaucoup de talent pour Hubert et sa fille, évidemment. On les reverra, parce que ça, c'est l'objectif de Passe Village, c'est ça, c'est de retourner vous voir, enregistrer les morceaux, voir les paysages, discuter avec vous. Là, on fait encore pas trop d'interviews, il y a encore un petit peu, voilà, un petit peu d'habitude à reprendre, mais on va le faire, évidemment, qu'on n'a pas perdu la main. Et voilà, et bien là, je vous montre un autre panorama, avec juste en bas ici une maison isolée, qui est déjà revenue à l'activité, avec une magnifique route. Faire un petit zoom dessus. Ça c'est beau, un grand vallon au pied de la chaîne des Aravis. Ouais Sylvie, frustrée de ne pas être en montagne, on vous comprend évidemment. Nous on y est tous les jours, on l'apprécie tous les jours. On entend les cloches au fond. Il y a plus haut des chèvres. En face de moi, une des combes des Aravis magnifiques. Alors Jean-Marc, la marmotte, on va l'interviewer. Il faudrait juste que tu me fasses l'interprète. Parce que je ne parle pas. Le marmotton, le marmotting, enfin la langue des marmottes, je sais pas comment on l'appelle. Hein. Jean-Marc semble parler la marmotte. C'est des cris stridents les marmottes. Alors, ça a des sens bien précis là. Vous savez que quand elle crie bien fort, paf. Oui Nicole, pas loin de la chèvrerie. Quand elle fait un cri strident, la marmotte avertit ses congénères qu'il y a un danger. Et il n'est pas rare dans nos montagnes, quand on se promène, et vous le savez pour celles et ceux qui le font déjà, d'entendre ce cri strident qui indique qu'il y a des marmottes. Alors, il ne faut pas leur faire peur, évidemment. Mais on peut les approcher. Ils arrivent assez souvent hein, de les approcher. Alors, même dans les lieux où il n'y a pas forcément beaucoup de public, il faut être très calme. Il ne faut pas leur faire peur. Et par contre, ça se carapate vite. Hein. Il m'est arrivé d'en approcher de quelques mètres seulement. Et paf. Mais on espère bien que mon frère jumeau, lui, qui s'y connaît en langage des marmottes, vous fasse. Tiens, j'entends un cri, non ? Vous fasse bientôt dans la place du village. Un live avec les marmottes ou les blaireaux, on ne sait pas trop. Il y a les bouquetins aussi, c'est le marmottin, nous dit Sylvie. Effectivement, il y a aussi le marmonnet qui est autre chose. Ce n'est pas le même langage, marmonnet. Mais en tout cas, le marmottage, bon, on va retenir ça. Sylvie, on demandera à Jean-Marc de nous faire la traduction de la marmotte et il nous marmottera avec nous, interprète. Mais c'est vrai que ça a un sens, hein, ça a un sens. C'est comme un peu chez les animaux ou les chiens, chaque son, chaque signal, chaque bruit a un sens particulier. La montagne en direct, un peu plus difficile dans les Aravis, elles comprennent le patois. Alors là, oui, évidemment qu'elles comprennent le patois, parce qu'elles l'ont appris tout jeune, le patois, avec les habitants, évidemment. Et les habitants parlant patois, elles le comprennent bien, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, là aussi, il y a les marmottes du pays. Hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup, d'ailleurs, du reste. Mais c'est vrai que les marmottes, elles sont quand même typiquement dans nos montagnes, avec leurs habitants, puisqu'elles vivent, ou elles coexistent souvent, on l'a dit dans les émissions, avec les vaches, on a vu beaucoup d'alpagistes nous dire que les marmottes c'était un peu gênant, ça faisait des trous et les vaches pouvaient s'y faire des blessures aux pattes. On a même vu, hein, on vous le dit aussi parce que c'est autorisé, des gens qui tuaient les marmottes dans ces conditions-là. Lorsqu'il y en avait trop, évidemment, on le dit bien, mais c'est vrai que c'est les alpages coexistent avec, cohabitent pas mal de monde hein, ici. Là, on n'a pas grand-chose ici dans mon champ de ma caméra, ici de mon smartphone, mais il y a évidemment. Quelque part dans cette montagne, des bouquetins, des chamois, des cerfs. On a vu des cerfs aussi magnifiques, hein, dans les forêts en particulier. Ah là là, ça fait du bien de déconfiner, vous voyez.
Hein. Puis alors après, ben, quand on sera... Ben, on l'est pour l'instant, on a envie de monter là-haut. Hein. Là-haut, là, on va réserver ça à celles et ceux qui le font bien mieux que nous. Mais enfin, voilà. Puis on cherche aussi des gens qui pourraient nous faire des vidéos dans la montagne, sympathiques comme ça, un peu plus haut, par-ci, par-là. Ah, ça fait du bien, ça nous fait du bien. J'espère que vous avez bien vécu votre premier week-end déconfiné, pas pris de risque évidemment, en tout cas pas trop. Et on espère bien que tout ça sera un mauvais souvenir d'ici peu. Si tout se passe bien, on devrait normalement retrouver un mois de juin et un mois de juillet. Normal, pensez aux réservations, c'est déjà autorisé. Alors là-bas, je vois une bête qui court, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est, alors je vais monter dans le viseur, alors pas trop. Elle court, oui, là-bas. C'est peut-être bien un chien, vu de loin, c'est pas trop ce que c'est. Quand on est en montagne, j'en parle un peu trop vite d'ailleurs, on aime bien regarder et puis s'attendre à voir, allez hop, débouler un dahu, un loup éventuellement, en tout cas une biche, un cerf, un renard, un sanglier aussi, ça nous est arrivé, des blaireaux très fréquents dans la région, et puis les chamois qui sont là souvent, tranquillement, hop, qui foutent le camp dès qu'on approche un peu trop. Et puis également, les bouquetins. Allez, on vous promet qu'on ira voir les bouquetins dans les jours qui viennent, du côté du col de la Colombière. On essaiera de les approcher de près. On ne les touchera pas, non pas qu'ils transmettent le virus du corona, mais si on ne les touche pas, c'est que les bouquetins des aravis ont parfois la brucellose. Donc on va faire attention, évidemment. Ben Joël qui reviendra à Thônes durant l'été, formidable. Alors les aigles, oui, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais on en voit, de temps en temps, il y a des nids d'aigles. Hein. Mon frère jumeau aime bien dire qu'il en connaît quelques-uns de ces nids où il y a souvent, quand il y a deux jumeaux, il y a toujours un jumeau qui est passé par-dessus bord. La maman, en général, ne garde qu'un des deux jumeaux. Hein, dans le cas de naissance de jumeaux aigles, évidemment. Hein, on dit bien comme ça. Voilà, en général, c'est le plus... Alors, on dit même que c'est le plus fort qui passe le plus faible par la fenêtre, si j'ose dire. Ah, ça fait du bien. On a l'impression que le temps est redevenu normal ici, quand on voit tout ça. La combe du Grand Cré, nous dit Jackie. Eh bien, nous y sommes. Cette magnifique combe qui prend naissance ici au pied de la chaîne des Aravis. On va la regarder ici, vous voyez, sur un petit relief ici. Juste derrière, il y a une bonne pente. Et tout au fond, il y a un chalet. C'était un vieux chalet. Vous voyez comme c'est beau ici. Une grosse pensée à une fan de la place du village. Eh bien écoutez, on adresse également notre pensée, Béatrice, à Brigitte, qui est dans la peine. On lui adresse tout notre soutien. Parce que je sais ça, c'est une grande communauté. Merci de cette information, Béatrice. Adressez-lui de notre part notre affection, notre soutien. La montagne, c'est ça. C'est aussi des choses toutes simples. Et c'est aussi la vie. Et la vie, c'est des hauts et des bas, comme la montagne. Voilà. Allez, bon, c'est beau ici. Alors, on entend que les vaches commencent à faire du bruit. C'est peut-être l'heure de la traite. Si on pouvait seulement voir un animal devant nous, vous le montrer. J'en ai pas ici. Voilà, je regarde tout ça, c'est magnifique, la combe du Grand Cré. En direct. Et on pense bien sûr à celles et ceux qui ont perdu un proche avec ce Covid-19. Le bilan est lourd, le bilan est trop lourd, mais voilà, c'est... on espère que tout ira vite mieux et qu'on ne retrouvera pas ce genre de difficultés pour tout le monde. La montagne! Avec ces neiges, alors pas éternelles, on dit pas éternelles, on dit des neiges permanentes. Mais de plus en plus rares, il y avait quelques névés qui restaient il y a quelques années encore sur le sommet là-haut des Aravis, mais ils sont quasiment en voie de disparition. C'est le réchauffement climatique. Là, ce que vous voyez, c'est de la neige qui va fondre, évidemment, les jours qui viennent, hein, puis mais sur l'été. Et généralement, il reste très peu de neige comme ça, des névés, comme on dit, dans ces montagnes. Il y en avait davantage il y a quelques années, ils ont disparu. Il y a des papillons et des bons restaurants. Ben oui, il y a des bons restaurants aussi. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a des bons produits et des bons producteurs. Ah, le jeu d'ombre et de lumière pour cette fin de journée dans la place du village en direct. Avec comme c'est beau ici. Avec cet éclairage qui nous vient dessus à l'instant même. Eh ben, je vous l'offre. C'est un cadeau du ciel. Toute beauté, hein. Magnifique. Ah ben tiens, ça s'éclaire. Et là-bas, on voit les nuages portés, l'ombre portée des nuages dans la combe du Grand Cré ici. Eh ben tiens, tout d'un coup, ça fait bien meilleur. Même s'il n'est pas forcément froid non plus, attention. Là, les couleurs prennent tout leur éclat.
avec cette fois-ci l'alpage de tout à l'heure qui était un peu contre-jour. Maintenant, on a aussi un peu contre-jour, mais on a du soleil. C'est magnifique ce soleil, voyez. Eh bien, écoutez, on va vous saluer. Vous souhaitez de passer une très très belle fin de journée. En espérant vous revoir très vite sur cette page, d'être nombreux à la regarder et à la faire connaître à ceux qui aiment la montagne. Et on va regarder juste de ce côté ce qui se passe. Et on va vous laisser sur cet éclairage bien particulier qui annonce une belle semaine. Bon courage pour la reprise demain matin pour beaucoup des élèves. Et puis à vous-même si c'est le cas. Et encore un grand coucou aux soignants et aidants qui font encore un gros travail dans ces conditions difficiles. On les attend pour les vacances en pays de Savoie ou ailleurs. Allez, on essaiera de vous rencontrer. Si vous êtes en vacances dans la région en tant que soignant, n'hésitez pas. On peut vous donner la parole. Si vous le souhaitez, évidemment, allez, c'est beau ici. Allez, je termine sur ce magnifique chalet-là, dans le fond de la vallée. Et là, qu'est-ce qu'on peut chanter avec ça? J'en sais rien. Mon beau chalet. C'était un chalet sur la montagne. Allez, comme c'est beau ici. Merci à vous. Belle journée. Portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.